Hello, bienvenue pour cette première vidéo de cette initiation au trading. Dans cette initiation, 16 vidéos, une vidéo par jour, pendant lequel tu vas pouvoir, si tu es curieux, découvrir l'univers des marchés financiers. On va s'approcher au maximum ensemble de la réalité de qu'est-ce qu'un trader indépendant et qu'est-ce que vraiment le trading. Tu vas voir que ce n'est pas forcément ce que tu as déjà entendu parler. Par contre, beaucoup de choses t'attendent dans cette initiation, beaucoup de nouvelles connaissances. Donc si tu es intéressé pour développer cette nouvelle compétence qui est créer de la valeur avec les marchés financiers, eh bien tiens-toi prêt, prends des notes, n'hésite pas à poser tes questions en bas dans les commentaires parce qu'on est parti pour ces premiers épisodes. Très bonne lecture à toi et rendez-vous sur mes graphiques. C'est parti. Hello, bienvenue devant mes écrans. Habitue-toi à cette vue parce que c'est cette vue-là que l'on va prendre tout au long de cette initiation. Dans cette première vidéo, voyons ensemble déjà les bases. Posons une structure. Dans cette première vidéo, j'ai déjà envie de te parler de qu'est-ce qu'un trader, à quoi s'attendre, qu'est-ce qu'il fait, quels sont les graphiques boursiers, comment acheter, vendre, est-ce qu'il y a besoin d'un intermédiaire, quels sont les gains potentiels que tu vas pouvoir faire grâce au trading, et tu vas pouvoir déjà d'emblée avoir un premier avis sur est-ce que c'est fait pour toi ou est-ce que ce n'est pas fait pour toi. Si tu découvres ma chaîne, je vais me présenter dans une prochaine vidéo. Prenons cette première vidéo pour déjà comprendre qu'est-ce que le trader. Dans chaque vidéo que je vais publier à partir d'aujourd'hui, sur ces 16 prochaines vidéos, tu trouveras des liens pour aller plus loin. Donc n'hésite pas à aller dans la description pour approfondir tes recherches, approfondir tes connaissances. Parce que naturellement, je n'aurai pas le temps de tout traiter dans une vidéo de 20 minutes. Je vais condenser le maximum possible pour que tu aies le plus d'informations. À toi de ton côté par la suite d'aller creuser parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne vais pas pouvoir dire et que je ne vais pas pouvoir détailler. Déjà, commençons ensemble à comprendre qu'est-ce qu'un trader. Alors, je t'arrête tout de suite, le métier de trader indépendant et le métier de trader en banque, ce sont deux choses différentes. Premièrement, le métier de trader demande un diplôme, généralement un bac plus 5 au minimum, avec école de commerce, Paris Dauphine, finance et ainsi de suite. Et son métier sera vraiment appris dans l'enceinte de la banque. Dans la banque, on peut y apprendre beaucoup de différentes spécialités, le trading, on peut être trader, on peut être analyste financier, on peut être gestionnaire de risque, etc., etc. Le métier de trader indépendant, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le métier de trader indépendant, c'est de trader avec sa propre argent, d'accord, dans la base, sa propre argent, et que l'on va exercer toutes les fonctions d'un trading possible. En banque, tu es seulement trader et tu reçois des analyses ainsi que le risque. En indépendant, quand tu es seul, tu dois gérer le risque, faire les analyses techniques, faire le trading, etc., etc. Donc forcément, c'est beaucoup plus complexe, mais ça ne nécessite pas de diplôme particulier. Un trader particulier, c'est quoi? Un trader particulier, c'est un spéculateur. En fait, c'est ni plus ni moins un marchand en ligne qui achète et qui vend des parts d'entreprise, d'indices, de matières premières et parfois d'obligations. Donc les obligations, ce sont les dettes de l'État qui donc sont mises à investissement pour la réduire, pour que les opérateurs se la partagent. Concrètement, son but, c'est d'investir une partie de son capital sur chaque transaction et de générer à la fin, ici, eh bien, des bénéfices qu'il va pouvoir se distribuer en fonction de ce qu'il a gagné. En gros, par exemple, si tu as 1000 euros, eh bien, tu vas décider d'investir 10%, donc 100 euros, sur, par exemple, une action. Total, tu vas investir une autre 10% sur l'action Renault et ainsi de suite. Et les entreprises qui vont augmenter, qui vont monter en valorisation, eh bien vont te faire gagner de l'argent à partir de cet investissement. Il faut comprendre clairement que le métier de trader, c'est pas le métier où tu vas chercher à devenir riche rapidement. Il y a une très très grosse désinformation par rapport à cela. Le métier de trader, c'est comme un investissement en immobilier. On investit du temps et de l'argent pour en récupérer par la suite un bénéfice. C'est comme une entreprise, si tu vendais des t-shirts, tu achètes des t-shirts, tu les revends plus cher, tu encaisses un bénéfice. D'accord? Les seuls moyens pour devenir très très riche en entreprise, si tu veux rapidement, c'est de faire du luxe. Tu vas acheter un t-shirt très peu cher et tu vas le vendre très cher.
Et là, tu vas faire une marge importante. Là, en trading, tous les gains que tu vas faire dépendent de ton capital. Donc, si tu as un capital, par exemple, de 500 euros, de 1000 euros au début, qui est un petit capital en trading, eh bien, forcément, tes gains au début seront très faibles. L'objectif du trader, c'est pas de faire beaucoup d'argent juste pour faire beaucoup d'argent. L'objectif du trader, je vais le résumer en une courbe, tu vas le comprendre, c'est de faire progressivement ici de l'argent et monter en fait finalement ton patrimoine. Aujourd'hui, tu disposes de 1000 euros et peut-être grâce au trading, sur plusieurs années, tu vas pouvoir augmenter jusqu'à aller à 20 000 euros. Admettons si c'est ton objectif. Eh bien, dans cette aventure, tu vas prendre plusieurs années à monter ce capital-là et tu vas avoir cette faculté, cette compétence incroyable qui est d'arriver à générer de l'argent par toi-même. Le métier de trader, c'est fait pour investir, c'est pas fait pour se faire des couilles en or rapidement. En fait, quand tu trades, tu as encore une fois cette compétence de créer de l'argent. Une compétence que très très peu de personnes arrivent aujourd'hui à maîtriser, voire même 99% de la population n'y arrive pas. Donc imagine la différence financière que tu peux faire avec n'importe qui, peu importe combien tu gagnes, juste en ayant cette capacité à augmenter ton capital uniquement par tes propres moyens. Donc peu importe combien tu as aujourd'hui, du moment que tu as cette faculté-là, tu as un pas déjà énorme devant tout le monde. L'argent, la grosse quantité d'argent, elle se fera quand tu auras aussi derrière beaucoup d'argent, donc ça se fera en fonction du temps que tu vas mettre à augmenter ton capital. Un marché boursier, à quoi ça correspond? Ça ressemble à quoi? Voici à quoi ça ressemble un marché boursier. Alors, peut-être que tu as habitude, habituellement, de voir un marché boursier ici avec une courbe, comme on peut voir ici. Mais on verra dans d'autres prochaines vidéos que la représentation graphique que 90% des traders utilisent, ce sont ce qu'on appelle un chandelier japonais. C'est un petit bâtonnet que tu vas pouvoir voir ici, avec des petites mèches. On dirait finalement un petit bâtonnet de dynamite. Ces bâtonnets vont représenter une journée, voire un moment de cotation. Ici, je suis en journalier, donc chaque petit bâtonnet représente une journée de cotation. On va le voir dans un prochain numéro ensemble, eh bien, comment on va pouvoir lire ces graphiques-là. J'utilise moi-même aussi les chandeliers japonais. Pourquoi? Parce que la représentation en courbe que tu as pu voir là donne une seule information lorsqu'on va la lire, alors qu'un chandelier ici lui donne quatre informations différentes. Et donc quatre informations différentes, c'est déjà très très intéressant pour avoir une avance par rapport à une lecture de courbe. On va le voir un peu plus tard. Le but du trader sur ce graphique ici, on est sur le graphique du Nasdaq. Le Nasdaq, c'est quoi? Peut-être que tu as déjà entendu parler de cet indice. Le Nasdaq, c'est l'indice de référence américain sur les valeurs technologiques. C'est la réunion des 100 plus grosses entreprises américaines de technologie. On les a regroupées dans un indice, d'accord? Un indice, ça peut être le CAC 40, par exemple, qui est les 40 plus grosses entreprises de France. Eh bien, cet indice-là regroupe les 100 entreprises technologiques. Tu y as dedans Facebook, Apple, Google, Amazon, etc., etc. Ce graphique-là, tu le vois, est en train de monter. Hein, quand on dézoome, on voit bien que le marché, hop, essaye de partir vers le haut. Pour l'instant, c'est très très bien parti. Même malgré le Covid, ça ne l'a pas du tout arrêté. Quel est le but du trader? Bah, le but du trader, c'est d'attendre que le marché descende, hein, c'est d'acheter ici le plus bas possible, naturellement, pour conserver, 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 conserver sa position et revendre, hop, revendre ici beaucoup plus cher. Tu peux le voir ici sur la liste des valeurs, le marché ici est à 7 000 et ici il est à 12 000. Parce qu'il a pris quasiment deux fois sa valeur en mars et avril 2020. Donc notre but en tant que trader, c'est d'acheter des actions, des indices, peu importe, le moins cher possible, et de les revendre le plus cher possible. Alors effectivement, sur le coup, ça peut paraître assez simple. On peut se dire, bah, il suffit juste d'attendre que ça baisse et que le marché remonte. Alors oui, en l'occurrence, c'est vrai. Mais la question qu'on se pose, c'est rappelez-vous, à l'instant T, on ne voit le marché qu'ici. On le voit ici, le marché. On ne voit pas ce qui se passe dans le futur ni dans le passé. Donc la question à se poser, c'est est-ce que à ce moment-là, je considère que le marché est assez descendu pour acheter
une part de cet indice? La réponse, si vous dites c'est oui, eh bien regardez ce qui va se passer. Pouf, le marché va descendre beaucoup, beaucoup plus bas. Et en fonction de comment vous investissez, si vous êtes agressif, si vous allez miser une grande partie de votre capital dès le début, eh bien vous allez pouvoir peut-être perdre assez rapidement. Par contre, si vous êtes plus conservateur, vous allez prendre moins de risques, investir 5%, 3%, 2% de son capital sur chaque position, et c'est là que vous allez pouvoir peut-être gagner petit à petit à petit. Donc le métier de trader, on va le voir sur ce graphique, c'est vraiment d'acheter, vendre, acheter, vendre, acheter, vendre. Acheter ici, revendre là. Acheter là, revendre ici. Acheter ici, revendre là. Voilà, encore et ainsi de suite, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est notre métier, c'est ce que l'on cherche à faire. Exactement comme si vous alliez acheter un iPhone à la Fnac, que vous l'achetiez lorsqu'il y a une promotion, et vous le revendez sur le bon coin, à prix fort, à la fin de cette promotion. Il y a de grandes chances que vous arriviez à vendre votre téléphone plus cher, et vous allez encaisser un bénéfice. Là, c'est pareil, j'achète cet indice à 7000 dollars. Et je le revends quelques mois plus tard à 11 000 dollars. En fonction de combien j'ai été capable d'acheter, eh bien, j'encaisse la différence. Par exemple, si je dispose de 10 000 euros, d'accord? Sur 10 000 euros, je peux m'acheter combien de parts de cet indice qui était coté à 7 000? Ici, 1,42. Si j'achète une seule action à 7 000 dollars et que je la revends 11 000 par la suite, j'ai créé 11 000 dollars de gains, plus les 3 000 dollars qui me restaient de mon compte ici à 10 000, et mon compte est ici à 14 000 dollars. Donc si j'achète ici tout mon compte et hop, je monte pour aller chercher cet achat, je me fais cette différence et j'ai donc gagné 14 000 dollars à la place des 10 000 que j'avais au début. Pour pouvoir trader, à chaque fois que l'on va passer un ordre, il faudra passer par l'intermédiaire ici de ce qu'on appelle un courtier. Un courtier en bourse, c'est l'intermédiaire, hop, on va dire que c'est le trader, hein, pour le coup, c'est l'intermédiaire entre lui et les marchés financiers. Donc on ne peut pas trader en dehors d'un courtier en bourse. Alors un courtier en bourse, c'est par exemple ta banque. Peut-être que tu l'as vu sur l'espace mobile, sur ton application mobile, tu as un côté bourse. Même ta banque, peut-être tu as déjà parlé d'investir en bourse avec eux. Ça, c'est plus pour des placements long terme. C'est plus pour faire de l'investissement long terme que pour faire du trading. Quand on parle de trading, on parle, en tout cas les puristes vont parler du trading comme étant quelque chose de moyen terme. Acheter et vendre des actions, des indices ou des monnaies plusieurs fois dans la journée ou plusieurs fois dans la semaine. Quand on fait du trading long terme avec la banque, c'est du trading que l'on va avoir sur plusieurs années. Donc effectivement, c'est une bonne solution quand on veut faire du trading et qu'on ne veut pas du tout s'en mêler. Si tu veux faire comme dans cette vidéo ici, dans cette initiation du trading quotidiennement, voire même toutes les semaines, eh bien ce sont des courtiers spécialisés que tu vas devoir aller voir. Il existe plein de courtiers, je vais t'en parler dans d'autres prochaines vidéos. À chaque fois que donc tu vas trader, il va prendre une petite commission sur ce que tu fais. Il y a différentes commissions qui peuvent être appliquées en fonction du courtier. On en parlera en fonction du courtier que tu utilises. En termes de gains potentiels, eh bien, il ne faut pas t'attendre à des 1000 et des 100. Le but du trading, c'est encore une fois d'arriver à investir sur du long terme et générer des gains. Si aujourd'hui tu as un capital de 1000 euros, eh bien, l'investissement immobilier, par exemple, on parle en général que l'investissement immobilier te fait gagner 7% par an. Eh bien, 7% de 1000 euros, ça fait 70 euros. Eh bien, avec l'immobilier, tu en gagnerais 70. Alors, certes, tu ne peux pas investir avec l'immobilier avec 1000 euros. Par contre, c'est juste pour te donner un ordre d'idée. En bourse, honnêtement, et mon point de vue, je pense que tu peux arriver à entre 50 ici et 60% de rentabilité annuelle si tu gères bien ce que tu fais. Bien sûr, tu peux faire beaucoup plus, bien sûr, tu peux faire beaucoup moins, bien sûr, tu peux perdre. Il y a plein de possibilités, mais c'est vrai que par mois, ici, par mois, moi, ce que je recommande à mes suivants, et je recommande de viser vraiment la stabilité, c'est de faire 4 à 5% par mois de ton capital. C'est pas 100% tous les mois, c'est pas 200%,
c'est 4 à 5% tous les mois. Oui, avec 1000 euros, au début, tu vas faire 40 à 50 euros par mois. Et ça, c'est une réalité. Et contrairement à ce que beaucoup de mes confrères vont te promettre, des 1000 et des 100, gagner beaucoup d'argent, etc., on fait du trading. Le trading, c'est quoi avant tout? C'est de l'investissement. Dis-toi une chose, la capacité que tu vas avoir à créer de la valeur, c'est quelque chose qui, clairement, est un gouffre énorme qui peut séparer deux personnes. Demain, tu as 30 ans, ça fait 10 ans que tu travailles, tu as une épargne de 20 000 euros. Eh bien, par rapport à n'importe qui, si tu es capable de faire ne serait-ce que 50% par an de tes 20 000 euros, ça fait 10 000 euros. Ça fait quasiment 1 000 euros par mois. Sur plusieurs années, en fonction de comment tu vas progressivement amener ton capital, monter ton capital, tu auras dans tous les cas, peu importe tes performances, une différence avec n'importe qui ne trade pas, qui n'investit pas. Donc la bourse, les 2-3 premières années, tu vas te concentrer sur l'apprentissage. Tu vas te concentrer sur savoir comment trader, maîtriser, te créer une stratégie, vraiment passer à l'action. Tu vas pas te focaliser sur combien tu vas gagner. Et après 2-3 années, quand tu vas vraiment investir beaucoup plus d'argent et que tu vas avoir déjà de l'argent qui est créé à partir de ton capital, c'est là que tu vas te poser la question, ok, comment je fais pour être plus performant? Ne te laisse pas biaiser par l'argent, ce n'est pas parce que tu as pas beaucoup d'argent, entre guillemets, ce n'est pas parce que tu as que 500 euros par exemple à investir en bourse, que c'est tu vas rien faire. Au début, oui, tu feras rien, comme avec la personne qui a 100 000 euros, au début, cette personne-là ne fait rien parce qu'on apprend au début. On mise son temps sur ses connaissances. C'est très important pour ne pas que tu te biaises par la suite. Il ne faut pas que tu aies un avis qui est complètement faussé du trading. Le trading, c'est un investissement comme l'immobilier. Au début, ça demande du temps pour commencer à faire de l'argent, puis ensuite, ça vient de lui-même. Là, dans cette initiation, je veux que tu te concentres sur qu'est-ce que tu vas apprendre en termes de connaissances et développer cette nouvelle compétence. Sur les marchés financiers, pour pouvoir trader tout au long de la journée, il existe différentes places financières. Sur ces places financières, tu vas avoir trois grosses places financières principales. La première place financière principale, c'est côté Amérique, côté États-Unis, côté Canada. La deuxième place financière, c'est bien sûr la place financière de l'Europe, surtout maîtrisée sur le côté londonien, anglais, allemand aussi et parisien, bien évidemment. Et nous allons ensuite avoir la troisième place financière, la place financière asiatique. Toutes ces places financières, finalement, ont des entreprises. Les entreprises, par exemple, du CAC 40 sont issues des entreprises ici européennes, du marché européen. Le marché européen, généralement, c'est 9h-17h30. Donc en gros, entre 9h et 17h30, les entreprises françaises et européennes cotent et à l'extérieur, elles sont fermées. Pareil du côté américain. Côté américain, on est sur du 15h30 en ce moment, en fonction bien sûr hein, hiver-été, jusqu'à 22h. Au-delà de ces horaires-là, les entreprises américaines sont fermées. Et côté asiatique, ça va être plus 1h du matin jusqu'à 8h ici du matin. Et donc ça va être les entreprises asiatiques dans la nuit. Pour te donner une plus grande clarté dans un schéma, eh bien voici ici le programme horaire des marchés. Le programme se lit de droite à gauche. Donc plus on avance dans le temps, plus on va ici aller à gauche. Tu le vois ici à 9h. Eh bien, en fonction des places financières, il y a un chevauchement. Le chevauchement crée juste là 4 heures où les marchés américains et les marchés européens sont en même temps ici ouverts. Et c'est là où on a ce qu'on appelle le plus grand moment de liquidité. La liquidité, c'est à quel point il y a des intervenants sur le marché. On dit qu'un marché est plus liquide quand il y a beaucoup d'intervenants et moins liquide lorsqu'il y a beaucoup moins d'investisseurs dessus. Les marchés le matin en Europe, ici à 9h, signent la fin des marchés asiatiques. Et la fin ici des marchés européens à 17h signe le début ici des marchés américains. Je te laisserai du coup bien sûr le lien de cet article-là dans la description. En fonction maintenant de comment tu vas investir. Par exemple, on le disait tout à l'heure, en fonction du courtier, tu vas pouvoir avoir des investissements en banque, des investissements ici
qui sont plus long terme. D'accord? Je mets LT pour long terme. Lorsque tu es sur des courtiers spécialisés, d'accord? Un courtier spécialisé, on va l'appeler broker, c'est son nom en anglais. Eh bien, tu feras plus du court terme ou du moyen terme. Donc CT ou MT. Pourquoi je te dis ça? Eh bien, parce que en fonction de si tu fais du court terme, long terme et moyen terme, eh bien, il y a un mot pour ça sur les marchés financiers. Ce sont les différents types de traders. Je vais t'expliquer ça. Si tu fais ici du long terme, on dit que tu es un swing trader. Hop, swing trader. Le swing trader, c'est sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs mois, des positions, des trades que tu vas prendre. Ça demande une gestion d'à peu près 1 heure par semaine, et forcément, ton risque, il va être moins élevé, et ton gain, de manière générale, va être moins élevé. Ça s'adresse plus particulièrement, je dirais, à des traders qui ont un plus gros capital et qui ne veulent pas forcément s'investir à 100% sur les marchés financiers. Ensuite, tu as le trader moyen terme. Ce qu'on appelle, tu l'as peut-être déjà entendu parler, ce mot day trader. Day trader, le mot en anglais day, c'est lorsque tu vas prendre des positions dans la journée et là tu vas les conserver donc plusieurs jours, voire même dans la journée, ce qu'on appelle intraday. D'accord? Day trader, en français intraday. Intra, c'est dans, donc dans la journée, intraday. C'est un style de trading sur lequel moi je suis personnellement spécialisé et sur lequel je dirais 80-70% des traders le sont aussi. C'est le métier sur lequel vous allez pouvoir vraiment faire du trading, acheter-vendre toute la journée. Le risque est moyen et le résultat aussi. Vous allez pouvoir justement grâce au day trading générer 4 à 5% de gains sur le mois. Et lorsque vous faites du trading court terme, c'est-à-dire que vous allez faire plusieurs positions dans la minute, dans l'heure, dans la journée, et bien là, on appelle ça du scalping. Le scalping, c'est l'art de prendre plein de positions sur une même journée. Attention, clairement, donc je vais mettre ici plusieurs minutes, hein, on va mettre plus sur plusieurs minutes. Là, ici, il faut faire très attention parce que le scalping, c'est réservé, à mon sens, à ceux qui ont beaucoup d'expérience. Moi-même, j'ai commencé avec le scalping à mes tout débuts et j'ai très rapidement compris, en perdant 2 fois mon capital, que c'est destiné à une section de personnes qui ont déjà beaucoup d'expérience. Le long terme sont ceux qui ont un gros capital. Le court terme sont ceux qui ont beaucoup d'expérience. Et le moyen terme, c'est pour moi le juste milieu. Et c'est sur cet style de trading, sur ce style de trading-là, que l'on va ensemble voir l'initiation. Bien sûr, tout ce que l'on va voir dans cette initiation sera possible à faire sur du scalping ou à faire sur du swing trading. Il y aura juste certaines notions à adapter en fonction de ce que vous tradez. Voilà maintenant que tu comprends quels sont les différents styles de trading. Nous allons faire du day trading. Libre à toi par la suite de faire ton propre avis. Ce qu'on va voir par la suite, au travers de cette initiation, je vais t'apprendre à connaître le jargon et les mécanismes du trading. Je vais t'apprendre à comment créer ton compte de trading et savoir quel courtier choisir, quel bon intermédiaire choisir sur les marchés. Je vais t'apprendre ensuite à lire un graphique financier comme celui-ci et déceler les secrets qu'il peut te donner. Je vais ensuite t'apprendre à utiliser des indicateurs techniques qui peuvent te donner un avantage pour trader, des indications, des informations supplémentaires. Je vais ensuite t'apprendre à gérer ton capital pour savoir combien investir et comment te protéger pour ne jamais perdre tout ton argent d'un coup. Et enfin, je te donnerai mon outil le plus important pour commencer à trader. Je vais donner mon guide pour créer ta méthode de trading et essayer de donc devenir autonome. Tu vas devoir sûrement regarder donc plusieurs fois certaines vidéos. N'hésite pas à mettre sur pause. Je vais parler doucement sur les prochaines vidéos. Pour ceux qui veulent que ça aille encore plus vite, bah n'hésitez pas à le mettre en x2 sur YouTube. Mon débit du cours sera vraiment bien optimisé pour que ton x2 sera quand même smooth, sera fluide. Rien ne t'engage bien sûr dans cette initiation. À la fin de ces 16 vidéos, tu seras en mesure de savoir si le trading te plaît et si vraiment tu souhaites te lancer. On a un métier, j'ai un métier qui est vraiment fabuleux et qui, je pense, est beaucoup desservi
par mes confrères qui vous promettent beaucoup d'argent, qui mettent en avant leur fortune personnelle acquise de je ne sais quelle manière. Dans cette initiation, je veux vraiment t'apprendre cet univers. Un nouvel univers qui va quand même te demander du temps, qui va te demander quelques mois, voire quelques années, pour vraiment le maîtriser, pour comprendre comment ça se passe. Alors si tu es patient et si tu es assez curieux pour apprendre quelque chose et cette compétence incroyable qui est de générer de l'argent, eh bien sois vraiment bien attentif. Bienvenue dans cette initiation pour apprendre toutes les bases et les fondamentaux. Je m'appelle Ibrahim Chauvin et je serai ton hôte pendant cette vidéo. Je vais me présenter si tu ne me connais pas dans une prochaine vidéo. Je vais t'expliquer mon parcours. Ça fait 8 ans que je trade et j'ai hâte de te faire découvrir ce magnifique métier. À très bientôt pour une prochaine vidéo.